Rebonjour la famille, pourquoi je suis haute comme ça? J'ai fait quoi ma chaise? Je suis vachement plus haute, hein? C'est bizarre. Bon bref, quelqu'un a dû me la dérégler vendredi dernier. J'étais ma chose tranquille là-bas. Je vais scroller sur... Je ne meurs plus seule. Non, 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 non. Je vais scroller sur Facebook. Je tombe sur un profil que je n'avais jamais vu. Si c'est ma café du 230, ma thé ou ma café du 230, non, des usins. Maman, mon cerveau a fait un grou. Bonjour Mohamed, mon cerveau a fait un grinding. J'ai des malheurs. Et en croisant les données, celle-là se fait appeler Thérèse Tchamaleu. Hein? La fameuse télé Thérèse Tchamaleu dont j'entends souvent parler chez Dorcas. Thérèse Tchamaleu, je viens te dire que une autre Dorcas, non. Tu es même encore plus. Attendez, ma. Tu es encore plus. Ah, je ne trouve pas le mot. Ma T des U S A, ça doit être ça. Pas pour te faire de la pub. J'ai comme l'impression, quand je vous écoutais, j'ai comme l'impression que ce sont des signes avant-coureurs qui nous annoncent quelque chose de mauvais dans notre pays, sincèrement. Comme si on avait versé quelque chose qui nous rend tous dingues. Écoutez. Dans vos fameux lacs de vérité, les femmes à vous. Maman, je vous ai dit la dernière fois que le chômage engendre le mépris. Là, elle s'est même calmée. Travailler. Elle s'est même calmée. Allez travailler. Tant que vous ne travaillez pas, la loisirité veut seulement votre mort. Allez travailler. La Faites loisirité. Quelque chose de vos 10 doigts. Faites quelque chose de vos 10 doigts. Elle s'est calmée là. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Des conneries comme ça là. Des conneries. Il y en a Trump là-bas. Des jalousies. Toutes là, vous n'avez pas la prestance de ma pépé. Vous, toutes là, vous n'avez pas le charisme de ma pépé. Vous n'avez pas une bande de mangeantes engouffrées dans les maisons avec les ventres d'autres sont au 4e étage, d'autres sont au 6e, les ventres sont comme les palettes d'eau. Un niveau 2, niveau 3, niveau 4. Son texte qui vient là, écrit, elle est ceci sur la vie des vrais gens comme nous. Maman, la pauvreté de ça. La pauvreté de ça. Prélis-le. Prélis-le. Continuez. Continuez. Quand on parle, c'est que j'ai acheté les mèches. Tu ne peux pas dire que tu as acheté un sac de riz pour encourager. Vous dites que je suis tombée au moment où la violence était de taille. Thérèse Tchamaleu, je ne t'ai jamais vu, je ne sais même pas qui tu es. Je ne savais même pas que tu avais mu. J'entendais souvent parler de toi chez. Moi, elle vous laisse plus proliférer maintenant. Moi, j'entre dans la course. Il y a quelque chose de très grave qui se dessine chez nous là. Hein? Si vous n'en avez pas conscience. Et vous créez des murs pour vous chamailler comme j'entends là. Tout ce que j'ai entendu là-bas, le genre de saleté que j'ai entendu. Le genre qui sort de la bouche de Maléba perpétuée du Père me sent. Thérèse Tchamaleu, je ne te connais pas. Mais je peux déjà situer ton âge entre 45 et 50 ans. Et 55 même. 45 et 55 ans. Tu n'es pas une jeune personne. Tu n'es pas une jeune personne. À entendre le son de ta voix, Mbeng t'a sauvé. Oui. Tu fais partie des personnes que Mbeng a sauvé. Dieu seul sait les 400 coups que tu as fait pour arriver aux États-Unis. Oui. Donc, qu'est-ce que t'appelles sa générale? Ma générale Thérèse Tchamaleu. Je viens te dire que Thérèse Tchamaleu va te ramasser. Toi, tu es nouvellement née là. Il faut vous contenir tant que vous êtes dans l'œuf.
Je viens souvent aux États-Unis, ce que tu fais là. Les Américains n'ont pas le temps. C'est nous qui avons le temps en Europe. Nous, là, les heures de travail comme ça, on compte. On pointe notre. On va. On dans. Les États-Unis, c'est violent, moi, ça. Et toi, tu es dans le noir. Tu t'adresses là à une grosse voix, 100% de personnes qui ont déjà montré leur visage. Tu ne t'assumes pas, la mère. Quand tu parles de nos kilos à nous autres là, oui, moi j'ai même ma part de 2 nettes là. Vraiment, je ne sais pas comment me débarrasser de ça. Parce que pour mes 50 ans là, il faut que j'entre dans une robe droite. Quand tu parles de nos palettes d'eau et tout ça, toi-même, je t'imagine versé avec un quintal minimum. Un quintal minimum, 100 kilos. La femme que j'entends parler là, tu n'es pas une slim. Donc quand tu parles là, c'est ton image même que tu projettes. Nous avons besoin de silence. Je vous le redis. Hein. Je vous le redis parce que vous êtes les premiers à pleurer. Parce que vous n'êtes pas conscient de ce qui se trame chez nous. Vous êtes là tel des bordels au carrefour. Je ne sais pas comment prendre le PM sans. Parce que le prendre, je dois prendre perpétuer lui en même temps et ça ne va pas être facile. Il y a des choses que vous sortez de vos bouches. Ne dites plus que vous êtes Khmer, Walaï. Les Khmers ont une éducation. Les Khmers ont une éducation. Donc, quand c'est un Djinké, tu es au 237. Hein. Toi, tu n'as pas de problème. Hein. Tes enfants sont déjà placés aux États-Unis là-bas. Tu es en train de faire la transition. Tu dis que tu vas te retrouver ton mari. Tu es en train de faire des champs et ceci et cela. Quand il te manque des liquidités, tu viens, tu pointes ici aux États-Unis, tu rebacques. Tu as ton devant derrière. Il y en a qui sont dans le Japabla comme Nicole Kecha. C'est vous qui allez devenir les charges des pays demain. Si tu ne seras pas la charge à 60 ans, si tu n'es pas la charge de l'Italie, tu seras la charge du Cameroun. Ou si tu viens nous tamponner ici en France. C'est quoi ces enfants qui ont la chance de sortir d'un pays et qui se retrouvent toujours au même, c'est-à-dire au même carrefour, c'est-à-dire vous creusez votre part de Cameroun où là vous vivez. Comment c'est possible? Nous nous chamaillons souvent, nous tous ici sur Internet, mais on met quand même des limites. On se met des limites, non? Thérèse Tchamalo, toi, tu sors d'où? Tu ne parles pas de toi. Personne ne connaît ton visage. On ne sait pas dans quel trou tu vis aux États-Unis. Et tu viens défendre les barèmes, mais bio, les bas pépé, tu maliba, les bas ceci, les bas cela. On peut faire ça. Donc tu veux y jouer à Nicole Kecha. Voilà Nicole Kecha, sans domicile fixe. Elle est sur ton direct là à ricaner comme une hyène. Comme une hyène. En ben, c'est depuis 2018, c'est depuis 2000. Tes bénéfices, quoi. Et elle est un enfant. Zamba. Je vous dis que ce que j'ai entendu, ça dit, j'ai entendu sortir de la bouche de la femme là. Le Cameroun a fait comment pour fabriquer vous autres là? Dites-nous, hein. Les Camerounais se chamaillent sur un quartier, mais votre part là sort d'où? Ce qui sort de vos bouches à vos âges, là, je vous dis que j'ai écouté, pour une fois écouté le père me sang, j'ai eu froid au dos. Qu'un être humain normalement constitué, même si tu étais injurié, virgule, en arrive à sortir. Quand tu sors l'équivalent de ce qu'on t'a balancé, les gars, ce n'est plus. Oh, tu ne peux pas plus aller devant un tribunal, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Tu ne peux pas utiliser le mal en guise de recherche, enquête de la justice. Tu ne peux pas utiliser le mal qui t'a été fait. Ce n'est pas pour rien qu'il y a de la justice. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des lois pour cadrer tout ça. On tue un membre de ta famille, tu vas tuer. Tu finis aussi en gâteau au même titre que l'autre. Il est interdit de tuer. On ne va pas savoir si on a tué ta personne avant. Il y a une justice pour ça. Donc, père me sent là où je suis là, je fais les pompes. Hein. Parce que vous ne pouvez pas justifier le fait que me sang est sorti, tout ce qu'il a eu à sortir là, parce que Maléba a fait sa part là. Que Maléba reste seul dans son coin et sa folie. Et sa folie. Aucun pays ne t'accorde le droit d'aller tuer quelqu'un parce que la personne a d'abord tué avant. Aucun pays.
Bonjour à Kabzou. Donc tu capes aujourd'hui au Rwanda? Ouais, Asia. C'est loin, hein? J'espère que tu vas trouver quand même la route qui me ramène chez nous. Bonjour, Nicole. Hein? Non, 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 non. Soyons sérieux. Et il y en a qui disent, oh, il faut les laisser là-bas, c'est le Japap. Non, tout est lié. Et la plus grosse partie de la population est dans les démarches que vous voyez là. S'ils ne sont pas empêtrés dans le foot, ils sont empêtrés dans les chamailleries de bordel. J'ai les larmes qui montent. Quand nous étions petits, nous avions une certaine image des adultes. Aujourd'hui, adultes, la maman, mieux les enfants de 10 ans. Hein? Des restes qui a mal. Mieux. Toutes ces femmes-là qui sont dans le noir, dans le japap, vous ne vous assumez pas. Parce que quand vos images remontent à la surface ici, on se retrouve avec des filles qui ont un quintal et demi, vilaines comme des poux, qui s'en prennent à nous autres qui sommes visibles. Enfant, ou bien pour dire à un enfant de manger, non, c'est que j'ai acheté les. Depuis que tu portes les mèches, là, tu es allé où avant on a vu mamie? Depuis que tu portes les mèches, les cheveux, des cadavres, là, tu es allé où on a vu? Tu es allé où dans un vrai milieu, nous on a vu, on dit que ouais, elle est sortie aujourd'hui. Elle est sortie aujourd'hui. Tu es allé où avant on a vu que j'ai acheté la mèche pour encourager. Vous entendez, les avec un conversations de français, quelqu'un, les préoccupations d'une personne. avec un français pour représenter le Cameroun quelque part, avec un français, on a dit qu'on mange les habillements avec la poitrine versée dehors là. On mange, tu n'as pas vu les cocos Emilia qui peuvent représenter le continent quelque part. Et allez, elle peut reprendre, au moins toi, tu peux reprendre. On a dit qu'on parle, on a de la valeur. Quand tu vois les petites filles là qui sont ici au congrès, ne portent pas les talons, hein, toutes la portent que les tennis. Toutes la portent parce qu'elles sont là seulement, elles sont pour le travail et la valeur de ce qu'elles sont. Toutes les femmes là sont passées maintenant, que les femmes de même ne défusent plus les cheveux, elles sont les cheveux naturels, elles font leur braids. Elles font les nattes. On ne diffuse, on ne porte même plus les cheveux de moi là, ils sont aux États-Unis. On ne porte même plus ça. Toutes là sont passées comme naturelles. Et au moins, elles peuvent représenter le continent africain. Prado Monte, mais où mon gouna n'a pas. Où mon gouna n'a pas. Elles peuvent représenter. Ta patronne là peut représenter le continent camerounais où? Ou parce qu'elle a porté la robe noire et ses cinq versets d'eau. Elle peut aller où avec ça? Elle peut aller où avec ça? Dorcas Nginkwe, tu ne vas pas nous fabriquer une Dorcas Bisser. Parce que d'ailleurs, elle est encore plus faux sceptique que toi. Toi, tu. Hein? Bah, toi, tu mets beaucoup d'eau dans ton vin. Du moins, ta façon de t'exprimer n'est pas aussi vulgaire que ça parle là. Elle est sans nous. C'est comme ça qu'on t'a laissé t'installer ici. Tu es devenu le trouble fait. Un coup, tu viens gérer les activistes. Un jour, un coup, tu es dans le Japap. Tu es comme ma mère, ta mère. Toi, Dorcas. Coucou ma Kigali. Coucou Céline. Coucou ma Josiane. Bonjour Japap, Japap. Je n'ai même pas dit bonjour tellement je suis remontée. Hein? Comme ça que Dorcas a atterri ici. Hein? Quoique, elle n'était pas. Elle était pas. Elle n'avait pas ce langage ordurier là. Nous l'avons laissé s'installer. Elle est en train de fabriquer d'autres maintenant. Comme quoi, la mauvaise herbe, il ne faut pas la laisser s'installer. Oui, elle a sorti, ça gêne pas des générales. Hein? Tiens, malheur, toi, tu es nouvellement arrivé là. Tu crois que tu as trop la bouche. Nous autres, quand nous lavons là, nous, on n'injurie pas. Insulter, oui, mais injurier. Physiquement, on ne te connaît pas. Tu parles du physique de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on te connaît? On t'a déjà vu, on sait que tu ressembles à quoi. Bonjour, Delphine. Là n'est même pas le problème. Avec les problèmes que nous avons jusqu'ici, vous allumez vos caméras là pour nous casser les oreilles avec vos problèmes existentiels. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des psys? C'est pas pour rien. Quand vous voyez des personnes qui ont roulé, des peuples qui ont roulé leur bosse sortie, quelque chose, créer tout un pan de la médecine, mais les gars, c'est parce que les êtres humains en ont besoin. Il y a des psys, hein, partout les diables. Il y a même des mutuelles qui prennent ça en charge. Allez voir des psys.
Allez voir des psys. Thérèse, tu as malheur. Tu vis aux États-Unis, vrai, vrai. Les États-Unis ont les dents. Nous, nous sommes chez nous, là, c'est le voir bébé. Les États-Unis ont les dents. Là-bas, il n'y a pas que tu es un grand ceci. Il y a des grands ceci qui ont même un petit boulot d'appoint, là, pour mettre le beurre dans les épinards. Hein? D'où Jésus? Ma soeur n'a pas le temps de se poser comme nous, on se pose là, que... À 4 heures du matin, je lui dis, ma, à minuit, 1 heure, elle dit Congo, non. Elle me dit que oui, tout à l'heure. À 2 heures, quand elle veut faire pipi, elle est là comme ça, elle s'est endormie sur son ordinateur. Elle bossait. Oh, dès qu'elle fait comme ça, elle se réveille, je la retrouve encore là à 6 heures. Elle bossait. Il faut faire des recherches, il faut écrire des articles. Affaire, mon nom. Thérèse Tchamale, donc, quand c'est toi, vous voulez nous dire que votre part des États-Unis, là, ça se passe sur quelle planète, non? Hein? La part de foule, les tombeaux qu'il y a dans la tête de Thérèse Tchamale, quand ça commence à gesticuler là-bas, c'est la magie, hein? Hein, Thérèse Tchamale? Donc, pour vous, le blog, tu ouvres toute une page. Tu nous. Son nom, et quand tu lui donnes un discours, ça va lire. Et elle peut reprendre le continent quelque part. Tochi, au cuit. Au cuit. Saleté comme ça, là. Allez, travaille vos doigts cassés dans la. Donc, vous nous utilisez des espaces de stockage à. Au pôle Nord là-bas pour. Donc Facebook doit stocker ça là. Hein? Les espaces de stockage là pour ça là. C'est ça que vous laissez à l'humanité. Après vous allez vous réveiller et dire que les Blancs ont fait que. Ils ne vous aiment pas. Oh, ils ont fait que. Ils ont fait que. Pendant que les petits Chinois, eux, ils sont en train de faire des recherches. Pendant qu'il y en a. Qui bientôt là vont nous sortir les voitures, tu entres dedans là, tu programmes seulement, tu dors ta chose, on te dit que tu es arrivé, comme dans le cinquième élément. Hein? À un moment même là, ils vont même nous faire voler les bêtises là. Pendant ce temps, virgule, voilà des enfants d'Africains qui activent les chamailleries sur Facebook. Ouais. Je vous redis ici que vous voulez les responsables. Vous voulez savoir pourquoi est-ce que les Afro ont été vendus 4 siècles? Pourquoi est-ce qu'un groupe de personnes arrivées avec des caravelles inflammables ont pu annexer une grosse partie de l'Afrique? Regardez-vous dans le miroir. Vous en êtes les descendants. Vous les responsables. Vous en êtes les descendants. Regardez comment nous agissons, nous autres, en Afrique. Regardez comment les autres, les Occidentaux, agissent chez eux. Même quand tu es habité par la bêtise, la société te ramène dans le chenal. Quasiment jusqu'à la fin de tes jours. Bonjour Céline. Quasiment jusqu'à la fin de tes jours. Parce qu'il n'y a pas pire danger qu'une personne à la dérive. Tu n'es pas seulement un danger pour toi, même tu es un danger pour la société. Une personne à la dérive. Coucou ma tontine Anne Marcel. Qui a eu une vague là, les premières clasheuses là et tout. C'est une chose. Mais que notre nation continue à voir des clasheuses naître, mais c'est la plus sorcellerie. Ça a mené là-bas les autres clasheuses où elles essaient d'en sortir, vous les ramenez toujours dedans. Jamal, toi, tu sors d'où là? Hein? Thérèse, Jamal, tu sors d'où? Tu es sur quelle côte? Il est 15 heures ici. Tu es sur quelle côte? À l'est, à l'ouest là-bas, ils dorment encore. Ils sont en train de se réveiller. Peut-être que c'est un jour de repos, ma. Sauf que nous ici, les gens qui travaillent dans les bureaux là, leur jour de repos, c'est le week-end. À l'est, balbutiement, vous êtes dans les petits déjeuners et tout en route pour aller au boulot.
Donc, j'en déduis que tu fais un travail. Tu travailles à l'hôpital, des trucs comme ça. Oui. Bon après-midi, matin, tu travailles à l'hôpital. Et ça m'étonnerait que tu sois infirmière, Massa. Non, 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 non. Ça m'étonnerait. Un minimum de tenue. Oui. Il y a des niveaux là, quand tu les atteins, il y a des choses. Non, non, ça m'étonnerait que tu sois infirmière. Du genre, tu es du genre. Comment est-ce qu'on appelle, on les appelle ici là. Tu fais l'entretien, tu. Je ne te connais pas, mais rien qu'à ta voix là. Thérèse, tu as malheur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Fais quelques pas en arrière, tu réfléchis. Il y a des choses qui ne vous servent pas de leçon. Nicole Ketcha a joué à ça. Elle est policière. Quelle policière? Celle-là, elle est policière. Si elle est policière, mieux vous écrivez là où on l'a embauchée, là où on la vit. Celle-là, policière. La vie d'un groupe, d'un certain nombre d'Américains entre ses mains. Pardon, ne me fais pas ça, maman. Mon cœur va tomber dans mon ventre. Elle, policière. Le nombre de lois qu'elle est en train de violer là. Le nombre de délits qu'elle est en train de commettre là. Moi, je dis rien que la diffamation seulement. Si elle est policière, c'est inquiétant. Elle avait dit que définitivement, les Camerounais, ils ont un problème avec les lois. Définitivement. Non, non, pardon, pardon, pardon. Elle ne peut pas, elle peut pas être policière. Peut-être vigile, oui, mais pas policière. Je vous dis que j'ai les larmes qui montaient. J'arrive pas à croire que j'ai l'impression d'avoir grandi dans un autre pays. Oui, quand moi j'étais plus jeune, je pensais que être adulte, c'était quelque chose de. Je ne sais pas, je ne sais pas comment vous exprimer ça. Il y avait des choses qu'on ne faisait plus une fois adulte. Non. Parce que nos parents, nos grands-parents avaient une certaine tenue. Une certaine tenue. Et le respect de l'entourage qui allait avec. Ben, tu restes un chamallow. Moi, je ne vais pas te laisser te fabriquer. Peut-être que n'aurai pas le temps. Ce qui peut te sauver là, c'est que je n'ai pas le temps. Nicole Ketcha a joué à ça. Et vous n'apprenez pas des erreurs d'autres personnes. Nicole Ketcha est où aujourd'hui? Dans ce bas monde, tu peux pas être caché. Et vous connaissez le bas des Camerounais. Comment vas-tu, Sylvie? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon. T'as coupé les cheveux? Ah oui, j'ai coupé les cheveux. Ça fait Exact. longtemps Tu que as je t'ai raison. pas vu. Ouais. Bon, ton frère. Oh, des nouveaux tampons. T'en as pas pour mon école? Non, c'est Non, pour non, les école, on ne fait infirmières. pas. On ne fait pas école. Hein. Oh, on n'a pas beaucoup de sous. On nous a même enlevé 500 euros, là. C'est vrai. Sais pas comment ils veulent qu'on fasse, eux. On fera plus, je sais pas. Oui, et puis les marchés diminuent tellement que franchement, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est vraiment service minimum, quoi. Ouais, Ouais, bon, je vais aller chercher du papier, tu il peux, te c'est plairait quoi? mettre. J'en ai commandé là aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout. D'accord. Deux, je vais en prendre trois parce que j'en finis par l'école et une à rendre. Ah, Je prends des cartons. j'espère que tu es en voiture? Oui, je suis en voiture, c'est pour ça que bon, se passait aujourd'hui parce que j'ai la voiture. Ouais. Et j'aurais besoin de blanc, tu sais, du Tipex. Oui, clé verte. Je vais vous voir plus souvent avec Karine ici. Je vais vous voir plus Je sais souvent ou pas, ouais, pas? peut-être, je sais pas, tu sais, on passe pas trop. Au-dessus, juste au-dessus, il y en a encore? Ouais, Ouais. je te prends les deux quand Ah, même. ah ouais? Bah ouais, Oh. et après Moi je qui te fais pensais plus rien que. d'autre. Ok, bah écoutez. Moi qui avais espoir de vous voir plus souvent. Bah si, c'est possible, peut-être, mais ouais, Non. tu sais, au service, j'en reste, on n'y passe plus, hein. Avant, c'était un endroit où on se retrouvait, tu Oui, vois, les unes les autres, où on se voyait, mais il oui. n'y Et avait comment c'est possible? personne, tu vois, je sais pas, mais peut-être, hein, on peut espérer. Après, tu auras de Peut-être. nouveau quelqu'un, parce que là, du coup, sans la dèche, tu es peut-être un peu seul aussi, non?
Ah, mais tu sais, il y a des jours où tout le monde court. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci. Parce que si t'es toute seule, c'est un peu longuet. Non, il y a du monde Ah, il y a derrière, du monde. t'inquiète, oui. Ah bon, bah tant mieux. Tant mieux. Oui, il y a du monde. Mais il Et y a toi, des t'es en moments, ils forme? sont sur le terrain. Ouais, bah oui, Oh, je c'est suis ça. allée. Ouais, t'es en forme, ça va. Enfin, non, la transition climatique, pas terrible, mais Ouais. bon. Ouais, les Ouais. changements comme ça, lents et Oh, tout. c'est terrible. C'est terrible. Tu vois, j'ai positionné le ventilo. Bah Hein. oui, je vois, ouais. Ce matin, j'ai dit, c'est pas possible, là. La chaleur est entrée dans le Oui, bouquet. après, tu vois, je me sens déjà, j'ai froid, et puis je mets mon... Oh, bon, bref. Ouais, c'est pas toujours évident, C'est pas évident de trouver le juste milieu. Mais ça va, ça va. Ok. Voilà. Bon, bah c'est bien alors. Tu as quelques Allez. jours de congé ou pas? La semaine prochaine? Ah, Comme oui, la un peu chance. tout le monde, ouais, c'est chez Non, nous. moi, pas moi. Non? Toi, t'as pas du tout de vacances la Non, je pars semaine? souvent un mois l'été, donc du coup, voilà. Ah ouais. Si je veux partir un mois... Ouais, faut que tu. Ouais, ben Voilà. oui, faut pas tout avoir, Voilà, mais. voilà. D'accord. Ça, Donc rien du tout là jusqu'à cet été ou quand même un peu? ouais. Ouais, D'ici l'été? vendredi, un vendredi, ouais, je vais sûrement poser un vendredi, comme D'accord. Tu vas ça. faire le pont pour l'ascension, des trucs Ouh, comme ça? voilà, je pourrais poser Ouais. 2 jours, comme ça va me faire la semaine. Ouais. On va Ouais. faire ça. Bah, c'est ce qu'il faut. Voilà. Ok, allez, bah, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Je disais donc, il y a une qui a cru qu'elle était trop King Kong, Nicole Kerrchak. J'ai entendu dire qu'elle est dehors maintenant. Qu'il y a une autre qui s'est infiltrée dans son IRM. Les camés. Un peuple ne peut pas aller à la dérive comme ça au 21e siècle, les gars. Non, non, nous allons dire que ceux qui nous ont précédés, nos arrière-parents, grands-parents là, on va dire que non, ils ne savaient pas comment ça fonctionne. Hein? Ils ne savaient pas ce que les autres utilisaient pour avancer. Mais les gars, au 21e siècle là, avec la connaissance et tout, la posture qui est versée dehors. Bonjour Gaspard. Je venais seulement dire à Thérèse Tchamala que non, 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 toi là, on ne doit pas te fabriquer. Non, 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 la mer, c'est pas possible. C'est pas possible. Mon cœur, je ne sais pas pourquoi est-ce que. Moi maintenant, j'écoute mon instinct. Je ne savais même pas que c'est la veine pas. Je suis tombée dessus. Maintenant, quand elle tombe dessus, elle parle. C'est comme si quelque chose me poussait. C'est-à-dire, j'ai même bloqué tellement de monde qu'il y a des choses. Je pense m'avoir bloqué, tu vois. Je dis que Zambabeli. Donc maintenant, quand il voit, il parle. Maison, allez travailler. Ne vous gênez pas. Tout le temps, vos moucherons, venez de moi, je suis un peu là-bas. Dès qu'elle finit là, j'éteins mon téléphone et passe à ma vie normale. Je ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Conneries comme ça. Allez travailler. Une bande de vieilles comme ça sont rampées dans la maison, seulement attisant la haine. Dès qu'on parle de notre travail, elle part se verser là-bas pour insulter, hanter. Oh là, mais maman, c'est le taudis. Voilà. C'est le taudis. Une maison touffue, sans, il y a sans goût, sans, il y a rien d'impressionnant là-bas. Mais c'est ça qui vient nous fatiguer. Un tout touffu, touffu. On ne connaît même pas où c'est quoi qui est accroché là-bas, où c'est quoi qui est décroché là-bas. Nous, on ne connaît aucun thème dans ta maison, rien. Maman, cache-toi. Je vous embrasse, on se voit la prochaine. Non, ça dépend du développement des événements aujourd'hui. Je peux encore faire un autre, je peux lancer l'autre après, parce que je suis off aujourd'hui. Ok? Gros bisous et gros cœur à vous. Bisous là-bas. Team USA, team de la vérité, team propre. Allez vous cacher, vous avez échoué vos vies. Allez vous cacher. Les saletés comme ça, les orteils sales, les doigts sales, aucune finesse. Aucune finesse. Les femmes qui sentent le poisson fumant à distance. Avec le plastique aux yeux que, il y a pas de lunettes, les lunettes. Pendant que
La maison est en train de s'écrouler, virgule. Thérèse Tchamale, Didi. C'est Thérèse Tchamale. Qui vivrait au pays de l'oncle Sam. La fabrication de Dorcas Njinkwe. Et vous direz à vos enfants que le pays que vous allez leur transmettre est dans cet état à cause de qui? Tu viens nous parler de thèmes dans une maison. Tu viens nous parler de ceci. Le pays dans lequel tu es né là, il y a d'abord des habitations. Pour que le peuple camerounais en arrive à gérer les thèmes de décoration. Si toi-même là, je vais voir le trou dans lequel tu vis, Thérèse Tchamale, connaissant les États-Unis là, le chez toi ne ressemble pas à grand-chose. Les États-Unis que connaît là. Que un jour off comme ça. Toi-même, tu vois que ton jour là est off. Thérèse Tchamale, toi là, tu as entre 45 et 55 ans. Oui. Continuons, hein. Moi, avertis seulement ici. Si je vous entends pleurer quand ça va cuire sur tout le monde 237, wallah, vous allez vous étonner que l'affaire là me touche. Parce que vous tous là, nous allons nous retrouver au carrefour. J'aime mon pays. Essayez de pleurer. Essayez de dire wokolo. Essayez même de faire comme si l'affaire là vous dérangeait. Oh purée. Vous savez pas que je suis en train de faire les pompes. Et quand je commence à avoir la chair de poule comme ça. Thérèse Tchamale. Recule de quelque part. Bonjour Maïmouna. Recule de quelque part. Vous faites déjà un peu trop de bruit à nouveau. Une bande ne peut pas se calmer à gauche et une autre se réveille à droite. C'est comment avec vous? Dorcas Njinkwe, tu es au Cameroun, ça pourrait éclater à n'importe quel moment. Oui, le temps que les États-Unis affrètent des avions et tout, le temps qu'on donne le laissez-passer à ton mari, je ne suis pas sûr qu'il ait le kaolo de droit comme ça pour entrer dans l'avion. Le temps que ça peut très mal cuire sur ton 237. Mais je passe souvent un mois plein aux usanons. Un mois plein. Que pour voir une personne aux États-Unis, maman, dans toutes les maisons où je passe, que même le jour off là, tu vois, que le jour off, c'est le boulot qui est offert. Des fois, même le boulot n'est pas off. Des fois, même le boulot n'est pas off. Et je passe souvent un mois chez une enseignante d'université. Le jour off. Le jour off. Off où? Off où? Même quand elle est en vacances, en bain de travail. Et l'autre dit qu'elle a un jour off. Jusqu'à prendre une heure comme ça dans ça. Pour venir vomir. Bibala. Je venais seulement déposer ça ici. Pour dire à Thérèse Tchamale que Thérèse Tchamale. Dorcas Njinkwe, tu es au 237 ces jours-ci. Ça pourrait cuire du jour au lendemain. Achoué Makanda. Ça pourrait cuire du jour au lendemain. Et tu pourrais être de ceux qui restent là-bas au Cameroun, définitivement. Parce que pour organiser le départ des expatriés, là, il faut souvent du temps. Il faut quelques heures quand même. Et tu ne sais pas où ça va te ramasser. Il faut continuer à jouer avec le sort. D'accord? Oui, voilà.